les attaques, les provocations, nous sommes les ulamas des juridiques de cette quartier, de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Kango Tarawi. Si c'est pas la menace de dépose. Tout le monde sait que c'est moi qui suis le ulama du quartier. En fait, il me dépasse. En fait, c'est le ulama. Chaque jour, il passe. Et ça va plier ailleurs. Et puis moi, je suis là. D'abord, je suis belle belle baf là. Al Kabayir. Je suis mouni. Ni coquin. Alati yafa. Fiaou. Ni ma Tarawi sérieux. Il y a son père. Atemene. Tous les 30 jours que tu vas mettre dans Kalem là, final. Atemene. Et puis, autour là, hein, parce que ni Salanina, c'est pas bon. Ça c'est un. Deuxièmement, on est dans un quartier et il y a un Ouridi, l'intellectuel Kabore. Ouridi, c'est quoi Ouridi? Un Ouridi, c'est dans les langues de Molière, Koufala, c'est Kambaoli. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a un niveau de connaissance du Coran. Un érudit, c'est voilà. Pas un ouroudi. Un érudit. C'est ça. Maintenant, vous sommes un ouroudi dans le quartier. Amenana, vous voyez, il est là, il plie chaque année. Amenana, c'est quoi? Mais cette année-là, vous passez vous savoir. C'est lui qui n'a pas plié derrière moi. J'ai envoyé mon fils. Aïe, t'as fait mon rôle. Bon, vous voyez, je le respecte. Bon, vous voyez, mon calendrier, là. Si c'est le paradis, vous voyez. Et puis, vous me dépassez, vous savez, plier ailleurs. Voilà, t'as mon tourne, il a un tourne sur le monde. Autant de nous. Parce que ni ma télé, ni quoi faire. Si tu m'as dépassé pour aller plier ailleurs, il y a un mal de caca. Non, il y a un bas chèque pour gagner. On te dit, j'ai envoyé mon gros moulou. Si ça va dans le cours, il peut t'avoir mon robe. Quand il y a un mal de caca, mon calendrier. Mais, Kabore. Oui. En fait, qu'est-ce qui t'amène à être aussi excité? Moi, excité. Si on regarde pas le courant. Ah, mais il est faraï. Comment c'est? Comment tu vas bien? Mais tu es excité. Kabore, tu es excité? Non, je n'ai pas excité. Quand tu as dit, moi. Mais regarde tout ce que tu es en train de raconter. Regarde le ton avec lequel tu parles et tout ça. L'imam, malbali, comment est-ce que tu as? On est attaqué dans les mois spirituels. Les mois les plus bénis de tous les mois. Imam, il y a quoi? Quand la malbali, comment est-ce que tu as? C'est un manque à boire kafou, il est dans le django, imam. Excité, comment est-ce que tu as? Mais quel est le problème dans ça? Quel est le problème dans cette route? Non, ah, Sombra, tu es là? Salam alaikum. Je t'avais même pas vu. Il y a longtemps que tu es entré. Ah non, j'ai passé là, j'ai entendu Kabore. mais sois le bienvenu. Je me suis dit, mais de quel droit il s'adresse comme ça à l'imam? Tu sais, Sombra, on est toujours dans ça avec lui, hein, Kabore. Ah bon? Sans scrupules, sans retenue, sans tenue même alors. Donc tu t'imagines, hein? Bon, on fait avec. Ah mmh, bah, voilà. On va être là. Moi, c'est moi qui ai le ouroudi dans le quartier. Bec, tout le monde. Le quoi? Ouroudi. Quelqu'un qui connaît le. Érudit, Kabore, érudit. Oui. Bon, t'étais là, en fait, je pose mon nappe, on doit venir plier le taraoui derrière moi. D'accord. Il y a un casselle de bec qui va faire. Il n'y a même pas une seule personne dans mon derrière. Est-ce que vous croyez? Alors que vous connaissez que c'est moi qui dirige. Bah, interroge. J'ai fini de tourner, il n'y a personne. Interroge ton comportement, peut-être. C'est bah, pas merci. Merci non. Beaucoup. Mais non. Parce que, attends, mais Kabore. Oui. Et moi, je suis heureux. Oui. Je suis heureux, en tout cas, d'apprendre ça. D'apprendre de toi. Savoir que personne n'est venu prier derrière toi. Mais dis-moi, là, c'est le coup. Et c'est toi, tu es content pour ça. Il est génial. Non, non, parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ont compris les sensibilisations. Oui, exactement. Mais attends, toi, Kabore, t'as pris un Tarawi, tu l'as fait en 10 minutes. Mais l'année passée, je faisais comme ça, mais moi, encore. Les gens venaient toujours. Il y a un moyen, mon baoulani. Ah oui, l'année, ça m'a rabattu de nous pour aller faire une campagne pour que les gens ne prient pas derrière moi. L'imam, il est imam, ce qui m'arrive, ça peut arriver. On est les collègues. Ah, il n'est plus affecté. Hein? Il est affecté au paquet. Enfin, il était ancien imam. Mais peut-être là-bas, il peut trouver un mosquée pour diviser. Ce qui arrive à ton ami, quand il y a les courants, n'est-ce pas ici le fait à plus les barres de ton voisin. Si tu es malin, enlève de l'eau pour le mettre dans ton bar. On ne sait jamais. Quelqu'un, ton collègue intellectuel, oulama, qui pue derrière lui, il n'y a personne derrière lui. Et toi, tu es content. Mais Kabore, tu vois, ouais. On a toujours critiqué le phénomène des imams. Avion par terre, hein? C'est-à-dire qui sont rapides dans les prières. Ah, à peine on a commencé, qu'on a terminé, parce que tout le monde veut se sentir libre plus rapidement. Finalement, donc, ces imams-là contribuent à entretenir des comportements allant dans le sens du fait de se débarrasser de la prière. Exactement. Mais la prière n'est pas un acte dont on doit se débarrasser. Exactement. C'est un acte qu'on doit accomplir avec beaucoup de piété, de scrupule, de dévotion. Mais Allah dit dans le Coran, il dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, sadaqallahu al-azim. » Heureux sont les croyants. Ouais. Ce sont ces personnes-là qui
accomplissent la salat dans la crainte révérentielle de leur Dieu. Allah Akbar, salam alaikum. Et lui, il a terminé sa prière sans aucune présence. Mais c'est ce que tu fais, Kabore. Mais moi, je pense que ces personnes-là qui avaient l'habitude de prier derrière toi, là, si elles sont allées ailleurs, mais toi, tu dois aller alhamdulillah. Non, tu n'as pas dit alako dans le Coran. Ni bien, comment là, tu oublies que tu parles avec un ulama. Un wilidi. Il dit, Alladina hum asalade him sa'una. Voilà. Al-Quran, quoi? Wilibale, mortete ka fo, quoi, les matemes qu'on a qu'on a. Au calmour, si t'es doux, mais oui, donc explique-moi ce verset. Alladina hum asalade him sa'una. Alors qu'on boulot bene mouromini. C'est le wadi besela. L'imam l'on aime, c'est le goloka. Et puis vous venez, vous passez, vous savez. Attends, quoi? Et tu sais que les communautés d'aujourd'hui, en voilà, finalement, où les calorans, c'est quoi? Si on n'est pas arrêté chez nos pattes, nous sommes nous. C'est eux qui sont venus me voir l'année passée. Non, imam, bon, l'intellectuel, mais tu sais que si on finit vite, on peut dire qu'à deux jours, il y en a parce qu'il y a les films qui passent les 19h. Tu m'as dit, les feuilletons. Il y a beaucoup qui m'a signé. Donc, il y a beaucoup qui m'ont signé. Moi, je commence à faire vite. Et moi, on fait les 10, les 9 là avec ça, fait la voiture, les personnes qui savent, tout le temps, 10 minutes, ah ben voilà. Ben, quand il y a le solo, c'est que ça va être lui. Cette année, il m'a dit, 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 il m'a mais attends, Kabore, mais je ne te comprends pas, tu pleures, je pleure. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais attends, mais revenons. Ah, regarde, qu'est-ce que c'est saleté là? Allez, là. Mais attends, mais Kabore. Non, pas faux. Mais là-bas, on a tous les musulmans de ici. Je reviens au verset. Oui. En la vie, Nahum, en salatihim, sahoul. Mais ça veut dire quoi? Ah, attends, mais il mais Kabore, oui. Est-ce que tu comprends les versets que tu cites? Je comprends. Dieu vous dit, c'est lui qui entend les prières et qui n'a pas faim. Allah dit, Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahoun. Alladhina hum. Malheur à ceux qui accomplissent la salat tout en étant négligents et en s'engageant donc dans des démarches ostentatoires. Ok? Mais le fait de ne pas prier sur toi là, et ils sont pas dedans. S'ils ont compris que toi tu bats la prière et que toi ils te laissent pour aller ailleurs, masha'Allah, c'est que, alhamdulillah, ouais, ils ont compris. Ils ont compris. Il est ma soeur. Non, il m'a capté. Tu es au France, tu es venu, tu connais rien, faut que tu sois tranquille. Au Bek, Kurana, Kalaïla, on va te apprendre l'islam. Moi, au moins, j'écoute l'imam. Non, moi, je n'étais pas l'imam. Ah, bon. Bah, alors, c'est vous qui venez disperser les gens non, dans les communautés. Toi, tu es un érudit, comme tu dis. Oui, mais un érudit, c'est un imam. Alors, est-ce que c'est que, il y a comment nous le faut après, c'est qu'à femme. Mais moi, nous, tu l'as l'oukou. Alors, oui, mais c'est là, avec l'oukou. Est-ce que c'est la molle? Ni nous nous salons, ils n'ont qu'à rester au terre. S'ils sont mourus dans ça, fin dans le jihad, il faut rentrer au l'enfer. Et pourquoi? N'a pas prié Talawi. Car sur le Tchungaro est sini, tu n'as pas prié Talawi. Tchungaro est le ni qu'à Talawi, quel indien, si tu as loupé un seul Talawi, il est soumis à Tchana. Tous les 30 jours de calendrier que tu as mis à Tchana, où il va aller? C'est le Oumar Yere, il faisait Talawi. Oui, mais l'imam a éclaircisé nous sur le Talawi, parce que lui, il insiste dessus, mais quel est le sens réel? C'est quoi? Mais en fait, le Taraoui, ce sont les surrogatoires. Ah, du Ramadan, je termine. Je ne peux pas terminer. Tiens, le Taraoui, ce n'est pas surrogatoire. C'est l'idole. C'est une prière de la Sunna. Il m'a dit, Allah qui le co. Quand il m'a dit, pour le caca, il m'a parlé, il m'a dit, c'est que Dieu te multiplie ça par 10 ou par 1000 pour toi. Tu sais, Kaoré, quand je te demande pourquoi tu t'excites, tu dis que toi tu n'es pas excité. Je n'ai pas excité. Mais je ne comprends pas. Mais regarde ce que tu es en train de raconter. Tiens, Nam, voilà, il connaît rien. Il demande, on le donne le bon. Comment tu peux être aussi agressif? Il connaît rien. Mais attends, mais quelle est cette. Mais toi tu connais quoi? Moi je connais quoi? C'est toi qui vas me poser cette question. Mais toi tu connais rien, Kaoré. Tu ne fais que du bruit. Tu connais rien, tu ne fais que du bruit ici et qu'il faut arrêter de nous fatiguer. Donc là, c'est un camp d'Orient. C'est ça. Qui d'Orient, tu vous dis? Non, tu es en train de me dire. Mais toi, tu sais que tu es en train de dire à Kone là, c'est pas du manque de respect? Et après là, tu vas me demander la canne. Est-ce qu'il y a de l'islam? Il connaît rien. Alors, il faut qu'on ait un de ton temps, il y a l'islam là-bas. Où? Autour et pas. Partout, il y a l'islam, même au pôle Nord. Mais oui. L'islam, c'est la religion du monde. C'est la religion universelle. L'islam, ça existe partout. Et attends, l'Europe, l'Occident en général, là, dont tu parles, il y a des gens aussi plus pieux que toi en fait. Moi, plus pieux, il y a des gens plus pieux que toi.
Mais en fait, ce que je suis en train de dire en termes de réponse à ta question, Soumara, c'est que, tu sais, dans le mois de Ramadan, mashallah, après la prière de Aïcha, il y a des prières surrogatoires qui se font. Il y en a qui en font 13 après la prière d'Aïcha. C'est-à-dire, ils font 10 rakats, plus ça fait 8. Ce qui fait 13. Bon, il y en a, n'est-ce pas, qui vont jusqu'à 17, ils font 14 rakats. Il y en a qui vont jusqu'à 21. Et en fait, ça varie selon. Est-ce que tu comprends? Ce qui est obligatoire, c'est la prière de Aïcha. Oui. La prière de Aïcha fait partie des 5 prières obligatoires. Et quelqu'un qui n'a pas fait le taraoui, son jeûne est valable. Ah, son jeûne est valable. Tout le monde plus ça. C'est parce que au calon, on connaît les obligations, les caractères obligatoires de cette prière. Tu veux que je te dise, le mois de Ramadan, c'est un mois qui est tout particulier. Oui. Chargé de sens. Un mois de spiritualité. C'est un mois au cours duquel la générosité d'Allah se multiplie par un coefficient que lui seul maîtrise. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'au cours du mois de Ramadan, les actes obligatoires ont une valeur de 10 fois, n'est-ce pas, ceux accomplis dans les mois ordinaires. Et les actes surrogatoires ont les valeurs d'actes obligatoires des mois ordinaires. Alors, quand il y a une opportunité pareille, mais aller faire le taraweh, c'est alimenter son compte spirituel. Oui, alimenter, oui. Est-ce que tu comprends? Mais cela ne veut nullement dire que... on a moins de valeur ou que... bon, voilà, que si on ne le fait pas, eh bien, le jeûne n'a pas de valeur. Non, 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 je suis désolé, Kabore. Mais je n'aurais pu te comprendre si tu disais que celui qui ne fait pas la prière de Aïcha, ok, alors lui, il a des problèmes. Ça, j'aurais pu comprendre. Tout comme il y a des gens qui jeûnent sans prier, sans faire une seule prière. Eux, c'est le fait de s'assurer de manger et de boire tout court. Ok, bon, cela à la limite, on peut comprendre, n'est-ce pas, ce que tu es en train de faire comme développement les concernant. Mais sinon, pour ceux qui ne font pas le taraoui, et puis en plus, tu n'as pas peur quand toi, Kabore, tu ouvres la bouche pour dire que ceux qui n'ont pas fait le taraoui derrière toi vont aller en enfer, subhanallah. Parce que non seulement ils jugent, mais en fait, tu sais, c'est aussi les imams commerçants du Ramadan. Exactement. On fait prier les gens pour avoir les sucres. Pour avoir du monde, mais pour bénéficier du sucre. Exact. Pour bénéficier. Mais enfin, c'est vrai que ce n'est pas une largesse. De largesse. Mais c'est ça seulement ton intention. Il n'y a rien, y a rien d'autre en dehors de ça. Mais donc, toi, tu es quel genre de d'imam? Il y a encore une personne qui va prier pour toi ici. Voilà l'homme et les autres qui vont te voir derrière moi. Non, mais quand même. Non, non, non. Moi, je dis là. Les autres qui vont te voir dans mon derrière, que ouais, et l'imam que vous voulez dans la. Je vais te dire deux mots. Non, t'inquiète pas, Kabore. Je vais prier pour toi. Moi, je vais prier pour toi. Il est. Non, c'est toi qui as provoqué ça. Ah bon? Oui, oui. Confie, Kabore, tu peux me dire à la canne, t'asseoir ici. Quand je m'en dis, je vais prier pour moi. Mais Kabore, au lieu de t'énerver, je pense que tu devrais quand même mettre bas la terre pour essayer de te remettre en cause quand même. Parce que, en fait, tu vois, tu peux être en train de nager en pensant que personne ne voit ton dos. Ton dos. Attends, je ne comprends pas. Non. C'est-à-dire, les gens ont compris ton jeu, Kabore. Ah, donc, les gens ne vont plus venir prier derrière moi. Ah, mais ça, je ne sais pas, ça dépend d'eux. Non, tu changes seulement l'attitude. Et... voilà, sois correct, Kabore, tout simplement. Voilà. Hein? Révise tes intentions et puis prie correctement. Il ne faut pas orienter, sinon adapter tes prières selon les désirata des personnes qui viennent prier devant toi pour leur faire plaisir, histoire de bénéficier de leur largesse par la suite. Bon, écoute, mon ami, fais, parce que c'est un devoir. Fais parce que tu veux aider les gens. Fais parce que, masha'Allah, il y a des mérites, n'est-ce pas, venant du Seigneur dedans. Ok, mais sinon, si c'est seulement pour ça, tu t'es en train de pleurer pourquoi? Tout à l'heure, là. Le bénéfice que ça a diminué. Quand il cherche le miel, les petits bénéfices, c'est quand même c'est l'appel le doigt. Il faut. Et vous tombe là. Donc toi, tu fais pas sa fille, sa bille là. Sa fille, sa bille là. Non, Kabore, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vois, aujourd'hui là, tout le monde est commerçant. Ben oui. Voilà. T'as dit, les commerces, c'est les formes seulement qui diffèrent. Hein. Sinon, tout le monde est commerçant. Et chacun vient, je sais faire ci, je fais ça, histoire d'avoir quelque chose en retour. Bon. En tout cas, nous connaissons la Sunke. Waouh, parce que, on dit c'est la Sunke. Tu vas pas jeûner pourquoi? Makaloye, je n'ai pas vu la lune.
quand même, je peux pas. Parce que tu sais, Allah qui est comme ça, Allah qui est comme ça. Akurana Allah est quoi? Inna lazina yuhaduna Allah wa rasul ulaika fil azalin wallahi koneka ala na kira toto ibe bono ibe maria ala kira le ko idi vunaka mele karem ka vous voyez le dine vunaka couper le karem vunaka faire le ramadan ka vous voyez le dine makaloui jahil nounou ya kelke zè ouais on a vu ça à l'autre côté là-bas on a vu ça ici chacun vient de pour lui ne kone maji. Il faut respecter le tout. Si je vais après demain, si je ne vais pas voir aussi, parce que c'est, il faut respecter les choses. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Tu vois, Kabore, oui. Pourquoi tu es aussi malhonnête? C'est pas question de malhonnête. C'est-à-dire, l'année dernière, oui. Tu disais que toi, tu ne gênais pas parce que tu n'étais pas concerné. Oui. Parce que Allah dit, alaykum tattaqoun, à la fin du verset, tu as dit jeûner afin que vous atteigniez la piété. Le taqwa. Toi, tu as dit que tu as déjà atteint la piété. Ah, carrément. Non, lui, il dit qu'il a atteint la piété, donc il ne gêne pas. Ok. Oui, mais ils sont de oui, si contre le mako, ouais, n'était-ce que la matin, comment est-ce que tu as laissé. Et c'est ça qui. Il te dit quoi? Non. Mais Kabore, c'est ça. C'est un véritable personnage, ce monsieur. Ah, mais non, Kabore, il est extraordinaire, hein. Non, mais il dit que tu es un personnage. Personnage pour le midi. À quel endroit il y avait? Non, mais regarde comme il est en train de sourire. Ça te fait pas peur? Et puis Kabore, toi tu dis que tu n'as pas vu la lune. Oui. Mais tu crois que tous les musulmans qui ont jeûné là, c'est eux qui ont vu la lune? Moi je me demande est-ce qu'il a fait un effort même pour voir la lune. Est-ce que ça aussi il y a une question. Il faut faire un effort. Voilà. Il y avait les niyaz. Ah d'accord. Il y a les niyaz Zankaba. Donc déjà je ne peux pas voir les niyaz. Les Zankaba pour la majorité qui est calouillé. Donc on attend. Et puis, Inch'Allah, Zankaba pour la bonne tout de ça tourne encore. Alhamdulillah, on attend. Mais Kabore, tu sais, quand le prophète nous dit de jeûner quand on voit la lune et de rompre le jeûne quand on voit la lune, le fait de voir la lune là, ça fait partie de ce qu'on appelle Fardul Kifaya. C'est-à-dire c'est une obligation, n'est-ce pas, collective. Exactement. Qui, lorsqu'elle est assurée par un groupe de membres de la communauté, tous les autres en sont déchargés. Exactement. Ok. Si une personne digne de foi a vu la lune, c'est largement suffisant pour que tout le pays jeûne. Ok. Oui. Alors là. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'être induit en erreur. Bon. De toute façon, un musulman ne ment pas à un autre musulman. Bon, voilà. Donc. Non. C'est pour te dire, Kabore, que le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, il ne demande pas à chacun de voir individuellement. Exactement. C'est la communauté. Voilà. Donc, il faut le retenir. Et puis, écoute, et même si on supposait que le ciel était dégagé et que la lune n'avait pas été vue, mais le mois, il ne dépasse pas 30 jours. Exactement. Et le mois, il ne dépasse pas 30 jours. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Lorsqu'elle échappe à votre vue, complétez le mois à 30 jours. D'accord. Bon. Ok. Donc toi, comme on est en saison pluvieuse, tu vas passer tout le mois à ne pas gêner parce que le ciel est couvert. Mais Kabore, là, encore là, c'est de la malhonnêteté spirituelle. Non, c'est pas de malhonnêteté. Mais oui. Même intellectuel. Mais oui. C'est ça qui est là. Parce que mais non, oui, Kabore. Si on parle, il ne faut pas profiter des paroles, pour tenir des paroles foutésiques et d'oriamatoires. Ah, oui, c'est la vérité. Non, faut pas tenir des paroles de faux repos d'oriamatoires. Mais Kabore, moi, tu m'étonnes. Tu dis que tu es un intellectuel. Oui. Tu te plains que les gens ne sont pas venus prier derrière toi. Oui. Ok. Les gens ne sont pas venus prier derrière toi. D'accord. Toi, tu t'en plains. Mais alors que toi-même, tu es en train de ruser pour ne pas jeûner. C'est ça. Mais je ne comprends pas ce paradoxe-là. Je ne ruse pas pour ne pas jeûner. Moi, il est mon père. On ne peut pas tout le père. Parce que même si je fais prier des compliments pour jeûner. Et puis, il est mon chère. Bon. C'est que je vais te dire. Attends, connais. Après, il y a le coulomb. Chaque fois que j'ouvre les bouches,
à payer le coup. Oui, mais Cabaret. C'est quoi ça? Oui, mais Cabaret, tu dis beaucoup de choses qui sont dénudées de sens, en fait. Dénudées de sens, quoi? Franchement, je tombe de nu. Bah, je passe là, j'entends crier, je rentre, je viens dire bonjour à l'imam, quand même, bon. C'est vrai qu'il profite en même temps pour te mettre sur la bonne voie. C'est pas mauvais, mais bon, il essaie de comprendre. Et tu tombes de nuit. Il m'a abonné, t'as entendu? Il dit tombe de nuit. C'est une expression. C'est une expression, l'intellectuel. Voilà. Bon, c'est ce que je dis là. Nanana Gerti, on est venu te soir dans cette graine. C'est pour écouter, apprendre et comprendre. Oui, mais. Ah, nous, on a. Nous, en Falakinkelati, nous aussi, on était comme ça. Attends, on est parti étudier à Tarakalak. On est parti étudier avec le chèque. Et on a eu les révélations. Imaïwa. Ah, carrément. Voilà. On a tel niveau. Donc, les mots de la cala, il n'y a qu'à s'asseoir pour le coup. D'accord, la guerre, il ne faut pas y mettre ce mot que les gens. Moi, je n'ai pas. Je n'ai depuis ici, Madel Kamorotoria. Madel Kamorotoria. Donc, non, c'est la vérité. Donc, mon cas, Antoria. Mais, Kabore, là, ni tout Kamorotoria, alors je me demande comment ça allait devenir. En tout cas, tu vois, je me demande comment ça allait être. Tu parlais à l'imam sur un toi, tu dis que tu n'as jamais crié chez quelqu'un. Je ne savais que je ne pas. Ben oui, mais si tu le faisais, alors, j'imagine, hein. Ah, ça, j'imagine, hein. Si, j'imagine quoi? Bon, de toutes les façons, tu sais, Kabore, tu vois, non, tu peux tromper tout le monde. Oui. Même toi-même, tu peux te tromper, tu peux te blaguer. Mais Allah, là, tu peux pas le tromper. Je peux tromper tout le monde. Comment est-ce que tu peux tromper tout le monde. Vas-y. Tu vois qu'il y a des solutions, mais il veut serrer tout l'eau avant de. Ça veut dire quoi? C'est bon. Apparemment, je sais pas. Hein. Il pense à comme une flatterie. Attends, mais comment tu comprends ce que j'ai dit? C'est pas pour confesser, là. Tu n'as pas de confesser. On peut tromper. Oui. On peut tromper. Donc, c'est-à-dire que tout ça là, il a dit, je n'ai rien oublié dans le Coran, nous bébés, et il y a les solutions. Quand tu dis que tu peux tromper tout le monde, c'est le truc que je savais, mais là voilà, imam, il y a un imam confirmé, c'est encore plus intéressant. Ah, Amaïwa, connais. Ah oui, c'est tromper tout le monde. Ah, ça, c'est la vérité. Oui, mais moi, je fais. Non, je trompe, hein. Eh, tu permets que je prenne le thé avant toi? Ah, non, oui, pardon. Parce qu'il y a un corvée, il y a une règle à suivre. C'est ce mythe. Ah d'accord, ok. Voilà, sur on va pas nous autant pour moi. Tu sais pas comment ça nous écouter. Je dis là, à cause de moi, tous les codes voient boire ça. Parce que quand on apprend qu'il y a un intellectuel qui boit ça, c'est quand même suivre le sage. Donc vraiment ça comme. Et parce que je bois ça qu'il était un grand oulidi. Ah d'accord. Bon, je le fais parce que tout ça, ça aide. Et moi, donc j'ai dit, vraiment, moi je trompe. En tout cas, on ne peut pas tromper. Mais faut pas dire ça ouvertement comme ça. Ça, c'est entre nous. On trompe, peut tromper. Mais à Kala, on ne dit pas ça en désordre comme ça pour que les gens qui. Sinon, on va dans ta matinée. Mais je te comprends pas. Je sais pas de quoi. En fait, lui, il prend la. Non. Comme tu dis, on peut tromper le peuple. Lui, il prend ça pour une flatterie. Non. On peut tromper. Non, quoi. Tu peux te tromper. Ah non. Ah Lélisa. Kalambalia bah c'est tout. Kalambalia bah c'est il faut étudier. Ah il a craqué. Tu m'étonnes, hein. Ouais, moi-même tu m'étonnes. Parce que tu ne devrais pas dire ça devant quelqu'un qui ne connaît pas le Coran. Tu vois, lui, avec la tamate. Bon, et tu sais, c'est quelqu'un qui connaît au moins un peu avec femme. Comme nous, on connaît, on maîtrise. C'est pas tout le monde qui sait qu'on peut tromper sa femme. Nous, on sait, on maîtrise. Mais Kabore, en plein mois de Ramadan, là, ça te dérange pas de dire ça. Ah, mais ah, c'est toi qui dis Kabore, tu fais ton fille. Il m'a dit, comment je te dis qu'on peut se tromper, on peut tromper les autres là? C'est pour dire qu'on peut commettre des erreurs. Ah, mais c'est pas même. Voilà, c'est ça que je parle en fait. Sinon, induit les autres en erreur. Induit quoi? Merci. Somara, en tout cas, vas-y. Vas-y, j'espère que tu vas aimer. Et comment tu trouves? Oui, c'est vraiment super, ça m'a manqué ça. Ah, ça t'a manqué? Ouais, oui. Il n'y a pas ça au Paris. Jagger, c'est pas faire ça. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Bon, voilà, alors ça. Ça, franchement, cool, merci beaucoup. Hein. Ouais, alors, donc, Kabore, le conseil que moi je te donne, c'est d'apprendre en tout cas à te tenir et d'apprendre aussi à te retenir. Toi. Tu es là, tu te fais passer pour un alim, pour quelqu'un vraiment qui sait, un intellectuel comme tu le dis, tu vois. Et puis on vient de découvrir que tu ne jeûnes pas et il n'y a aucune raison valable qui justifie cela. Et si ça se trouve même, peut-être qu'il repousse le moment de déjeuner, jusqu'au petit déjeuner. Bon, c'est que non, c'est que où on est arrivé parce que tu tentes de me convaincre. On connaît pas qui. Si nous sommes, si on a. Mais comment tu fais le Sao, toi? À 6h00.
Mbeyatundu. Comment tu fais le Sao? 6h15, 6h10, 6h00, Mbeyatundu. C'est pas précis alors. Quoi ça? Ah, c'est pas précis. 15. Ouais, parce que ça, parce qu'il faut le tarder. Là, que le coup, faut le tarder. Ah, pour ne pas avoir faim, quoi. Voilà, en tout cas, là, que le coup. Le tarder le Shogun. Ah bon? Voilà, à Kana, Kedjona, Jona, Dome, Willy, Iné, Dimadé, la Kadoumnik, quand tu vois les thèmes qui sont à la quatrième, après de Mazé, ah, est-ce que nous, au Kakelewa? Il y a un farachou, il y a les. Ah, pourtant, c'est une question de stratégie. Voilà, jusqu'à 6h, tu manges. Ah, d'accord. Non, à la Kadjama, il y a le facilité Kadibem. Et dit de couper le carême, c'est le tout. Oui, il dit de gêner tard et de couper tout. C'est vrai ça, lui. Voilà, vers 17h, il met tout. Oui, c'est vrai, mais je le laisse terminer. D'accord. Et tu ne vas me laisser terminer. Allez, tu vas le faire terminer. Non, mais ce n'est pas moi qui termine. C'est le prophète qui a terminé ça déjà. Donc, il y a mon anat, il y a un A. Quand il y a un A, il y a un A. 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 كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز أكل الله بكم دونك إيه كان موت سوتو كان على كيرا سوتو كان على يلي سوتو نيكا على دي الله سوتو أيب ماريا نيكما تقولنا أيب كتسمي الله أبي أقول كونو الكتاب الله المكام تنزيله الكتاب الكريم إيما يبا أبا كونو الفرقان لنينيير C'est écrit avec quoi? Le pilim, al kalam, al faladun, ahadun, shabalun, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On tire les quatre semaines. Donc, on tire qu'on a tiré, parce que maintenant qu'on voit là, l'intérêt est dans la vie, non, à voir le Coran, il y a le Coran. À la fin, on a dit à la coucou, matafou, donc mon cas, on a dit, il y a des cas, il y a un faracan. Non, au coup, au chapitre d'Atoula, d'accord. Mais Kaboury, tu vois, le problème avec toi, c'est que tu as retenu beaucoup de choses, mais tu n'as rien compris. Exactement. Tu vois, non? Comme l'âne qui est chargé de livres. Bon, est-ce que tu comprends? Je ne connais pas la valeur. Je ne connais pas la valeur. Ah, mais son mari, machallah. C'est pas qu'il a, qui est chargé de livres. Il y a folie, mais que tu t'avoues, c'est moi qui est là. Et maillot, c'est toi qui fais ça. Que mon nez est moi de ces folies. Allez. Tu as besoin de crier. Non, j'ai besoin de. Ne voulez pas me taquer. Non, mais parle doucement. Allez, voir, connais son bail. Tu es en France, tu viens de sortir. Non, je ne peux pas calmer. Bon, ok, vas-y. Comment alors. On va insulter les oulamas de ton pays, de Al, et puis toi, t'es content. Non, je ne t'ai pas insulté, c'est un proverbe. C'est un proverbe simple, c'est pas. C'est pas un proverbe, c'est pour que ton proverbe, c'est sur moi. Non, c'est pas sur toi. À quel endroit y a ? Mais Kaboury, oui. Je vais te dire une chose. Oui. Tu vois, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de rompre, d'aller de retarder la prise du Sahou. À ma foi. Si, je termine. Ah non, comme lui, mais très de mais je peux terminer. Écoute, l'imam. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de retarder la prise du Sahou. Oui. Mais c'est par rapport à une limite. C'est par rapport à une limite. Oui. Parce que toi, ce que tu prends à 6h du matin là, on appelle ça petit déjeuner. C'est pas Sahou. C'est Sahou. Hein? Ça dit que même si 6h n'était pas arrivé à une certaine heure, voilà. Mais c'est le petit déjeuner. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Il y a des indications qui sont données qu'il faut qu'on respecte. Quelquefois, il peut arriver qu'on se réveille tard. Et quand on se réveille, on réalise que l'heure de la prise du Sahour est passée. Ce jour-là, il faut se dire que ah, ce sera notre épreuve. Exact. Ok. Continue le jeûne comme ça. Mais tu vas t'entêter à manger. Fermer la porte. Éteindre la lumière pour que l'obscurité continue de. Mais tu blagues qui? C'est toi-même. Alors qu'il fait jour dehors. Tu te mens à toi-même. Mais tu te mens à toi-même. Exact. Et même si le temps est obscur dehors, mais tu as une montre quand même. Exact. Hein? Qui t'indique que le temps il est passé. Est-ce que tu comprends? Ouais. Parce que si on devait aller dans ta logique. Mais on aurait peut-être même terminé le savoir à 16h. Midi, même si tu veux. Même 16h. Non, c'est encore plus méritoire. Ah, d'accord, voilà. Et puis à la fin, on n'aurait pas gêné. Là, ça est encore plus méritoire. Mais hein? À la fin, le Mavoko, on n'a qu'à précipiter la rupture. Mais précipiter la rupture, là, ce n'est pas dit de rompre son jeûne avant l'heure. Kaboury, si tu romps ton jeûne avant l'heure, là. T'as pas gêné. Tu n'as pas gêné. Tu n'as pas gêné. Non. Si avant l'heure, tu romps ton jeûne. Tu n'as pas jeûné. Ah donc, c'est-à-dire que tout ce que le prophète a dit, il est bien taillé, kafou. Quand on est taillé, c'est la manée, c'est pas pour toi, c'est pas ce que tu penses. Bon voilà, alors tu l'as pensé et toi tu dis non. Kaboury, mais moi, quand on est taillé, moi je ne viens pas avec pour moi. Hein. Je vais te donner un conseil. Un conseil qui découle tout de loi de l'Ancien Coran. Alors, comment t'en dis-tu? Le kitab Allah, c'est la carte de Saint-Nous. Il est Islamay, il est Islamay. Tu es un imam, moi je suis un wulidi, un wulama. Quelqu'un qui est spirituel, qui est un niveau. On n'a qu'à s'attendre à un peu. Le Coran dit,
وإتزموا بهب الله جميعا ولا تفرقوا أنك أتربي هذا أكن يوم فرف faut pas discuter même marier jama jama ni côté non que nous ni ma faut ni côté quoi ni ma faut en ben yo tout le jama jama quand dit donc il faut te lever il est quitté au fond pour venir arrête il écoute ce qu'on a dit bon l'imam puisque Kabore se sent offensé par moi donc je te remets ça pour lui c'est quoi ça hein 50 euros ouais vite fait d'accord. Ah, tu vois, moi oui, c'est pas. 50 euros. Ah, c'est l'argent, ça. C'est l'argent. Ça, c'est pas l'argent d'ici. Il y a un Wallet. Kode, net à l'eau. On est à Kode. C'est quand tu t'as dit un bon business. C'est vraiment payant le minan. C'est que Allah Kirako. Non, ça, c'est pas. Faut mettre Allah Kirako ici. Le Coran dit. Il dit dans Sourate al-Munafikoun. Akowa anfiku mi ma razaknakum min kabul an yatiya ahadakum le maut. فيقول ربي لولا أجرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤاخر الله نفسا إذا أجلها والله كبير بما تعملون شرك الله العظيم قل لكم ألا كفوكم من تترك الدون لأموار إيكا منصر لسكت يغينا كي يدي أدريك كي يدريك كسر سيامنا سكت يفين تدوري ألا كابلا من ذلك Le mois de Ramadan là, c'est le mois du partage. Oui, il a partagé avec moi. Le mois de partage, il a partagé avec moi. Et Sombala t'a donné. Oui. Normalement, tu dois penser à moi aussi. Alaji, Alaji, Alaji. Ni si tu as vu ça dans le rêve là, ni où il est sur le cabo. Donne-moi quel est 5 fois là. Ni qu'à dire, mais tu es là. Vous pensez quoi même? Moi, c'est mon général, quand je vis comme ça, je ne peux pas profiter de mon sagesse, de mon connaissance. C'est toi qui m'as appris ça. Voilà, il dit, il est intellectuel. Il est intelligent. Il est intelligent. Il est intelligent. Qu'on ne doit pas insulter le sage. Non, je ne sais pas parce que j'ai insulté. Je ne reconnais pas t'avoir insulté. Hein. Bon, loin de là. Il est intelligent. Il est intelligent. Il est intelligent. Il faut pas mettre les. Il ne faut pas tenter de mettre le caillou dans les antiquaires au Mania. C'est pas bon. Kabore, il t'a donné 50 euros. Oui. Ça fait 32 500 francs quand même. Oui. Ah, mais et puis quoi? Hein? Ah, tiens, c'est ça qui est bon. 32 500 francs. Mais Kabore, même si tu enlèves 10 000 francs pour me donner, ça n'a rien de tiens. Ah, là, j'ai oublié d'aller. Kabore, oui. C'est pas toi qui as l'habitude de dire que les musulmans doivent se soutenir, que les musulmans doivent s'entraider, ou bien c'est toi seul on doit aider. Mais pourtant le mois de Ramadan là c'est le mois de partage. Mais n'est-ce pas partage? Tu n'es pas 30 000 kilos là, là. Oui. Non, mais toi tu as donné combien à qui? Même si moi là tu refuses de me donner là. Oui. Mais il faut voir quelqu'un qui en a besoin. Même si c'est 5 000 tu vas prendre là. Dieu va te donner aussi les mérites. Ce mois là il faut partager. Tu vois, la même façon dont Allah a été généreux envers toi en inspirant à Sombara de te donner les 50 euros. Ouais. De cette même façon, tu dois pouvoir être reconnaissant vis-à-vis d'Allah en faisant aussi un heureux quelque part. Exactement. Alors, est-ce que tu comprends? Il ne faut pas vous gaspiller. Tu sais ce que Allah dit? Oui. Ahsin kama ahsanallahu ilayk. Allah dit, sois bienfaisant tel que Allah l'a été à ton endroit. Est-ce que tu n'es pas bienfaisant? Amène la sou. On va prier les dents.
on va faire le wajibi. Amena wo kala. Est-ce que je n'ai pas dit cela? Al-Gajar Issan, Idal Issan. Pabi ay ala ila bikuma tukajimani. Sur la zone de la mare. Alors j'y vais kala. N'y vais quoi? T'as dit pas une vérité? Pas ça. Il est là, il est là. Là, c'est lui qui insulte maintenant. Il connaît rien. Tu vois? N'y est qu'à titre, il est voilà les gens ici, les sales. D'accord. Alors, pourquoi on a dit Al-Gajar Issan, Idal Issan. Fabi ay ala ila bikuma tukajimani. Sur la zone de la mare. Ah ouais, tu ne connais pas ça? C'est ça les imams d'aujourd'hui. On a de donner les mosquées aux gens courageux, capables, qui ont le savoir comme nous. Vous prenez ça pour donner au Lébassama. Et il ne peut pas dire. Mais apparemment, Kabore, j'ai l'impression que tu es aigri. mais ça te fait mal. Mais je ne comprends pas ça. Allez, tu te dis que c'est normal. Combien de années j'ai tatoué ici? Misilité, Kabore. Mais pose-toi des questions. Kabore, savoir que c'est. Mais les gens t'ont vu, les gens te voient, mais pose-toi des questions toi aussi. Non, mais c'est pas bien. Hein? Mais ils connaissent pas. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Revenons quand même à la question du sahur. Oui. Le sahur, il est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prenez le sahur parce que dans le sahur, il y a la baraka. Il y a de la bénédiction. Mm-hmm. Et le sahur, même quand tu ne supportes pas de manger à une certaine heure tardive de la soirée, mm-hmm. il faut le consommer. Ne serait-ce même qu'un verre d'eau. C'est-à-dire tu dors, tu interromps ton sommeil, tu bois et tu continues ton sommeil. Ok ? Il y a des mérites dedans. Et dans ce mois de Ramadan, là, il faut s'arranger à ne rien rater. Ouais. Il faut s'arranger à ne rien rater. C'est une opportunité que Allah nous donne, une opportunité de rachat sans précédent, sans précédent. C'est-à-dire c'est dans ce mois-là que Allah dit, toi là, je te lave de tous tes péchés, quelle qu'en soit la grandeur, quelle qu'en soit la nature, mais encore faut-il que toi tu sois dans les dispositions aussi de tout faire. Oui. Donc, il ne faut rien négliger, dire mon sommeil, alhamdulillah, ce mois-là, partout où on te dit qu'il y a quelque chose à prendre, il faut en profiter. C'est la même chose. Pour la rupture du jeûne. Uh-huh. Ouais. Quand le professeur Rassoul me dit d'accélérer la rupture du jeûne, il n'a pas dit de couper le jeûne avant l'heure. Est-ce que il dit de rompre le jeûne à la première heure. Si, par exemple, l'heure de la rupture, c'est 18h05, il ne faut pas aller jusqu'à 18h20, 18h30, 19h, parce qu'il y en a qui le font. Mais Allah n'a pas besoin de cette fatigue-là que tu t'infliges toi-même. Okay? Et le jeûne n'est pas non plus venu pour qu'on se s'auto-flagelle, pour qu'on se torture. Mais bien au contraire, c'est une miséricorde à travers laquelle Allah veut nous rapprocher de lui. Alors quand c'est l'heure de la rupture, il faut le faire. Alors celui qui rompt son jeûne à la première heure a plus de mérite que celui qui la retarde. Ok, mm-hmm. Et ça c'est très important. C'est très important et il faut pouvoir en tout cas retenir ça. Et il faut corriger, il faut rectifier. Voilà pourquoi je dis que tu fais trop de bruit. Tu as appris beaucoup de versets, oui. Tu as été informé d'un certain nombre de choses concernant la hadith, mais malheureusement tu n'as rien compris de tout ça. En fait, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Alors, c'est que mais est-ce qu'on ne peut pas causer ça qu'on se fout d'un fou? On se fout. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que moi, je ne connais rien. Non, mais je ne t'ai pas insulté, je ne me suis pas plaint de toi. Quand tu dis que tu fais des bruits, combien de mangabat? À quel point Mais Kabore, quelquefois, c'est ça, en plus. Allez, non, c'est, malheureusement, vraiment, c'est ça aussi. Hein? Oui, c'est les tonovites qui font le plus. Bon. Non, il y a Wali, nous connaissons, alhamdulillah. Ah, mais il t'a traité de Non. Tu n'as pas entendu ça? Dis-moi, faut pas mettre de l'huile sur le feu. Non, je ne veux pas de l'huile. Parce que tu lui as donné le billet de 50 euros. Machallah, tu as autorisé à tout dire. Hein. Exactement. Tu n'as pas mis de. Sini, pour moi, dis-moi. On peut vous lire, ça va accepter. Parce que nous avons une intention. Si nous avons fait là, les médicaments pour dormir. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Non, c'est pendant les carèmes, les cassons d'eau, il est beaucoup, puis tu dors bien. Tu dors après de 9h, mais c'est que tu te réveilles à 17h, là, la rue qui est proche, quoi. Peut-être. Dis donc, tu as des stratégies. Tu m'as mis le ballon, mais tu m'as mis le cassons d'eau au frais, et puis je s'endors encore. Voilà. Donc, pour un mois. Parce que, boîte cela, non, boîte ça va bon. Parce que une boîte, je vais faire 10 jours avec. Non. Boîte ça va bon. Eh bien, tu me dis que c'est la vie, je connais beaucoup de choses. Il y a un mot au cachot, là.
Mais Kaori, donc toi tu jeûnes et tu as passé tout le temps à dormir ou à te distraire. La faim. Donc vous n'êtes pas sentir quand même, il est fanat. Et puis il y a quoi de mal dedans? C'est un mois d'adoration. Mais c'est adoration. Voilà, il m'a fait ma carte. C'est quand je parle, connaissez-vous? Ne me commandez, j'ai les preuves. J'ai appuyé ce que j'ai dit avec les hadiths et les versets du Coran. Alors il a quoi? Quand sont celui qui jeûne, lui qui fait le carême, lui qui est en train de gérer le mois de Ramadan? Quoi sinon? Balagui même à cause ça. Celui qui quand il dort, il est mieux que celui qui ne jeûne pas et puis qui marche, qui ne dort pas. Soutris, Soumba, comment on dit ça? Le gêneur! Soundouba, ouais. Soundouba! Voilà! Soundouba, le sommeil du gêneur! En tout cas, ouais, c'est ce que j'ai failli dire aussi. Voilà, ouais. Le sommeil du gêneur a plus de baraka de baragi que mon colombier me témoigne de marre dans le vide. N'est-ce pas ce nom-là? Baragi me parle, mais le cas doit bien avoir le sommeil du canal. Eh, quand vous voulez être le avec ce nom, n'est-ce pas? Hum, avec ce sommeil baragi. Ah, avec ce sommeil baragi. Hum, avec. Si tu sais, il rofle. Ça c'est attention balayé la confiéji la cabouille moi ma balayoji ne salon ni na alhamdulillah argile direct argile notre fédération c'est quel musubi wolongula ni c'est là ne tiens pas au paradis comme ça t'es pressé d'y aller moi maintenant c'est là qui va pas rentrer dans ça là abonnez-vous c'est quel musubi wolongula au berger là je vais arriver là-bas. Au long fond de la meilleure femme. C'est quel mot de boulot là? On est venu à l'issue, quoi? Mais Kaboré, oui. C'est vrai, peut-être que le hadith, mais tu n'as pas bien saisi. Mm-hmm. Le prophète a dit dans un hadith que le sommeil du jeûneur lui est compté comme une adoration. Mais pas tout. Est-ce que tu comprends? Et il dit encore, le sommeil des sages, quoi, comme ça, il est mieux que l'éveil des ignorants. Non, que c'est vrai que le sommeil d'un savant vaut mieux que l'adoration des ignorants. Mais Kaboré, c'est pas de toi qu'il s'agit ici. Kaboré, c'est pas de toi qu'il s'agit ici. Hein. Tu sais, Kaboré, oui. Quand le prophète parle, oui. Il est très facile en tout cas de pouvoir tirer les choses avec soi-même. Voilà, mais faire attention. Il faut faire attention dans la mesure où le but du jeûne est de nous éduquer. Ok, mais ce n'est pas de nous amener à entretenir la paresse et à fuir la réalité. Parce que c'est ça en fait. Oui, c'est clair. C'est-à-dire s'oublier dans le sommeil, passer toute la journée à dormir, c'est pas le but du jeûne, Kaboré. Là, là, franchement, c'est pas le but du jeûne, Kaboré. Donc, si je souffre, c'est ça que tu es content. Ah, mais si tu souffres, comment? Où est le mérite? Et malheureusement, si tu es là, comme ça, là, tu te fais. Mais Kaboré, merci, Sombara. Mais le mérite, il est où là? Il est dans le toit, il est fera qu'à la wallette et puis tu mets des trucs, c'est pas bon. Non, c'est une question. Non, 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 moi je n'aime pas ça. Non, moi, il ne faut pas qu'un endroit. Tu ne peux pas me donner l'argent et puis me couper là, tu me taxes, c'est pas bon. Non, bon, pardon. Alors, donc, tu veux qu'on a quand même le carrière et puis on souffre. Kaboré, si tu dois souffrir, tu vas souffrir. Si le fait de souffrir là est, je vais dire, est l'expression de l'expiation de tes péchés, Masha'Allah. Ben oui. Masha'Allah, tu t'imagines, imagine que tous les jeûneurs passent toute la journée à dormir. Déjà, ils ratent les prières. Mais non, mais tout va être paralysé. Bah oui. Ah, monsieur, tu vois. Des fois, on va travailler au téléphone. Elle aussi jeûne pas. Hein? Elle aussi jeûne pas. Mais où est monsieur, c'est des femmes. Les femmes ne sont pas des êtres humains. Ah, tu es là, pour moi, mais là, c'est les femmes. Les hommes sont plus importants que les femmes. Ah, allez-y. Non, non, je te demande. Alaka, Arada, Kahawada. Chacun a son travail. Arrête de raconter tes histoires. Mais ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que ce que tu développes pour me dire là ne tient en rien. La dernière fois, tu as dit que ballon est haram, football est haram. Aujourd'hui, tu dis que non, s'il y a ballon, tu peux pas regarder. Alors, le mafoko haram, tu vois. C'est-à-dire que vous craignez, vous prenez tout le et puis après tout. Maintenant, vous n'avez pas me sortir dans ça. Un cas, faut que ballon est haram.
aoula yene hadithou avec les kokwa konana ko dalilo tene bolo ka foko haram ye onjela aujourd'hui tu vas dire quoi? Non, mais Kabore, ce n'est pas pour autant que tu vas passer tout ton temps à regarder la télévision. Mais ton jeu, il te sert à quoi à la fin? Afflète, écoute, tu dois mal. Tu dormis là, tu ne prends le contrôle pour nous mal. Ne hakril, on coupe ta jambe. Quand tu vidéo, à quand tu as ne pas, ne qu'à filmer venir d'amener le soir. Faut sortir comme ça. Et tu n'as pas dit, je dors pas. On s'y gribe. Tu sais Kabore? Oui. Allah a dit dans le Coran, il dit « Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim »« Shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayinati min al-huda wal-furqan » C'est le Coran al-Azim. « Wa malaga rasulahu al-Karima » Et tu vois, t'es viré. Quelle est son barrière? Non, mais qu'il y a là? Tu peux me laisser poursuivre? Allah nous indique ici que c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé en thème de guider pour les êtres humains, et preuve de bonne direction et de discernement. Mais quand Allah te fait cette mention-là dans le Coran, c'est pour t'inviter, toi, à comprendre que le mois de Ramadan dans lequel tu es, c'est le mois du Coran. Interroge-toi sur ta vie, en termes de rapport au Coran. Quel lien, toi, tu entretiens avec le Coran? Combien de fois tu l'ouvres dans l'année? C'est le mois de Ramadan, donc c'est le mois du contact permanent avec le Coran. Mais si tu passes tout ton temps à dormir, comment est-ce que tu peux en profiter? Un. De deux, le jeûne, avec tout ce qu'il comporte en termes de valeur, est le cadre dans lequel tu dois pouvoir te faire influencer par le Coran. Mais si tu ne t'y attaches pas, si tu ne t'y accroches pas, et que tu t'abandonnes au sommeil et à la distraction, en quoi ton jeûne va t'être utile, Kabore? Tu vois, tu vois, il t'est fou, Kabore. Tu es à toi. Le voilà du Coran, quand le Coran m'a dit, prenez au 31, mais il y a la radio, la voyage, la maladie, la albayane, avec le Kala, ou avec le Kala, je laisse ça, avec le Kala, et puis maintenant je regarde mon film, Kurana avec Kala, ou Kurana qu'on était tourné, oh non, il y a là, mais Kabore, oui, le Coran, oui, le Coran, mais il n'est pas révélé dans le vide. Allah a dit quoi? Oui. Dans les premiers versets de la Sourate Baqara, il dit quoi? Bad a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم هذا دي كوا هذا سورة البيف il n'y a pas une سورة البيف dans le Coran البقرة البقرة c'est la vache c'est pas le bœuf. Pas du fatigué. Non, mais c'est toi. Mais s'il est. Mais Missy Tchelle. Voilà. Bœuf. Non, non. Bœuf, c'est pas bœuf. Il y a la vache et puis il y a le bœuf. C'est pas la même chose. Donc, Allah dit quoi ici? Oui. Il dit Alif Lamim. Ceci est le livre parlant du Coran. Il ne renferme aucun doute. Si Katala. Vous ne pas. Ok. C'est une guidée pour ceux qui croient à l'invisible, à ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi et qui accomplissent la salat et font largesse des biens dont nous leur avons pourvu. Est-ce que tu comprends, Kabore? Tu comprends pas? Ah non, j'ai dit largesse des pourvus. Non, ça veut dire que ceux qui donnent les biens qu'on leur a donnés là, ouais, ils partagent aux autres. Mm-hmm. Tout à l'heure, son mari t'a donné. Voilà. Si toi, tu étais un homme, tu vois, non? Rodan l'île Moutakine, aux hommes pieux, ceux qui craignent Allah. Ah, c'est nous. Mais c'est pas vous. Si toi tu en faisais partie, tu allais me donner au moins 10 000 francs. Non, 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 5 000 francs d'argent. C'est pas moi. Ah, t'as vu? Attends, non, t'as vu? Attends, tu es égoïste en plus. Attends, non, c'est bon, pas c'est pas grave. En fait, tu vois, cette mention-là, pour te dire que, en fait, le Coran, il a été révélé pour qu'on l'écoute, pour qu'on le lise, pour qu'on perçoive le message, pour intérioriser les valeurs vers lesquelles Allah veut qu'on s'oriente, afin que nous vivions tel que lui veut que nous soyons. Parce que si c'est pour être lu, mais le Coran n'est pas une parole quelconque, c'est la parole émanant d'Allah, Al-Malikul Quddus, ok? Le souverain, le tout majestueux, le saint, celui qui t'a créé et à qui tu retourneras pour rendre compte de ce que tu auras fait de ta vie. Mais Kabore, si toi tu prends ton temps à la distraction, dans ce mois de Ramadan,
Mais quand est-ce que tu vas te retrouver alors? Quand est-ce que tu vas te redresser? Quand est-ce que tu vas trouver le meilleur chemin? Si le ramadan n'a pas suffi, toi, à te ramener dans la voie droite. Je ne te comprends pas, Kabore. Ah, moi-même, je ne te comprends pas. Parce que c'est moi. C'est toi, Kabore. J'ai fait quoi? Parce que toi, tu dis que ce connaît son bar connaît rien. Mais ce que connaît son bar ne dit pas là. Toi, tu dis ça. Ce que lui devait dire là et qu'il ne dit pas là. C'est toi qui dis ça à sa place. Mais c'est à toi qu'on doit donner les enseignements. Toi qui connais là. Mais regarde ce que tu racontes. Regarde ce que tu fais. Écoutez. Hein? Non, allez. Mais toi et Mokhtar, vous vous êtes disputé la dernière fois. Je te dis que le ramadan arrive. Il faut l'approcher. Tu n'as pas raison en plus. Demande-lui pardon. Parce que le ramadan aussi, c'est le mois de pardon. Surtout que tu n'as pas raison. Et même quand tu as raison, même là, aller demander pardon là même, c'est très méritoire. À plus forte raison, quand tu n'as pas raison. Et le mois de ramadan là, toi tu veux que Dieu te pardonne alors que toi tu ne pardonnes pas aux créatures de Dieu. Dis-le pas. Mais ni moi. J'étais là ce matin. Quand ton neveu est venu te voir pour te dire, ah, vraiment tonton, pardon. Kabore a juré qu'il ne le pardonne pas. Jurer quand même. Mais non, allez-y. Comment tu obéis? C'est pas. Il a juré qu'il ne lui pardonne pas, hein. Quand même. Mais Kabore, moi, c'est pas. Eh, n'affaire, peut-être, n'affaire. A Roland Bayana, qu'elle n'est jure de rien. Tu penses que. C'est pour les donner. Tu sais, Kabore, c'est un gros complexé. Ah? T'as dit, lui, tout le monde se fout de lui. Tout le monde lui manque de respect. Il suffit de lui dire une petite vérité pour qu'il estime que tu l'as manqué de respect. Mais attends, mais toi, combien de fois tu désobéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Mais toi, tu ne peux pas servir Allah? Toi, tu es qui? N'est-ce pas pour ne pas pardonner à quelqu'un parce qu'il t'a manqué de respect? Toi, tu es qui? Tu demandes au Coran. Elle est directe sur le maïwa. Ah, tu demandes au Coran. Tu te fasses avec moi. Mais oui, parce que toi-même, ce que tu dis là, tu ne fais pas. Mais il est disait qu'il y a pas. Tu ne veux pas pardonner ça? Ah, mais Kabore, moi je n'ai pas dit que je ne t'ai pas pardonné. Allez. Mais j'attire ton attention pour te montrer, pour te faire voir la gravité de ce que tu fais. C'est pas bien. Il y a un petit problème dans ces mémoires de carême là. Ah, parce que nous, en tout cas, nous connaissons. Mais demain, tu m'as dit, est-ce que tu vas? C'est dangereux. Mais Kabore, oui, toi tu voulais faire quoi? Maria Dobé. Il va à Kacha. Si tu regardes devant les douches, Mouloka, c'est un gars qui est souffert. Tu les connais tous. Après, mariage, tout le monde sait que tu as fait quelque chose. Parce qu'il en a besoin. Tu es arrêté. Parce que nous, c'est les 12 communes. Tu es arrêté. Et il nous faut faire l'honneur. Il faut te dire Mouloka. Ça, c'est pas bien. Très bien. Il est mariage. Mais donc, la solution pour toi, c'est quoi? Moi, je me cours. Et un, il reste tout là. Je laisse, tu dors jusqu'à 10h, mais oui, quand il est là. Mais sous le dos, et puis je s'endors. Maintenant, j'attends 10h, 11h, et puis je l'ai envoyé là-bas. Si nous perdons le nom, quand on le dit, il est là. Il est là. Kabore, c'est pas bon. Kabore, oui, ça c'est pas un comportement correct. Et toi-même, oui. Tu le sais. Mais Kabore, oui. Mais Dinebala, tu laves ça pour qui? Hein? Dinebala, tu laves ça pour qui? Dinebala, ça pour qui, comment? Non, je te demande. Tu laves ça pour moi? Pour toi? Oui. Et pourquoi tu laves ça? Ah non, Sanya, on a qu'à se laver. Mais il y a le Sanya Kamouké. Kalabato. Kalabato. Oui. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est pour Allah que tu laves le Yeneba. Mais pourquoi les regards des gens? Mais dans ce cas-là, la nuit, il ne faut rien faire. En tout cas. Ah, mais oui. Ouais, si la journée, là, tu te gênes d'aller faire ton Yeneba, mais la nuit, il ne faut rien faire. Ça, c'est parole que tu vas dire ça. Mais mon grand Maramoussou le souffre. Parce que. Non, quand il faut. Faut pas parler de ça. Mais regarde, toi tu ne dors pas d'un coup. C'est à quoi le fait que tu parles comme ça? Il y a un frère qui tu vois les choses sont alignées comme ça. Mais Kabore, où est le mal? Ah oui. Ah, Nema, et puis toi même, tu vois, c'est parce que tu sors. Ah, tiens, allez-y. Ah, viens pour le cas, l'on confère dans quel là. Tiens, nous, on est de Goulidi. Tu vois, on est de Goulaba. Oui. Viens voir, moi, tout le monde nous respecte. Quand oui. On sait que. Mais non, quand on sait que tu as fait, donc tu ne fais pas. Regarde, tu vois. Mais oui. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.